Bonjour à toutes les brodines, bonjour à tous les brodeurs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis, on se retrouve sur la version japonaise de Dokkan Battle pour tester Bojaki que j'ai droppé récemment sur le portail de Gogeta Videl. Je ne le voulais pas, parce que je pouvais l'acheter tout simplement, et figurez-vous que le karma a fait que j'en ai droppé un peu trop, et j'aurais aimé dropper plutôt des doublons. Des doublons du Gogeta Videl, mais voilà, c'est lui qui est tombé trop de fois. Ça m'arrive très souvent ça. Donc le nouveau Dokkan Fest, enfin lorsqu'un Dokkan Fest sort, je le veux, je n'arrive pas à le dropper et pourtant j'en ai fait des multi hein, lorsqu'il était sorti ce Bojaki. Et quand il revient, je le veux plus et là il tombe. Fourberie. Bon, on va transformer le nôtre parce que on a, comme tu peux le voir, 3 doublons. J'aurais pu acheter un dernier doublon pour l'avoir 100%. Et en fait, les deux Bojaki, bah... Voilà les amis. Ce sont deux meilleurs. Alors, j'ai couleur qui donne 30%. Donc du coup, les stats sont un peu faussées. Ah, intéressant. La version de base semble avoir un peu plus de ouais, elle a quand même beaucoup de défense pour une unité qui a moins de doublons. Ah, après ces liens sont ok, c'est les liens qui jouent. Ok 2 200 000. Donc Bojaki donne ki plus 2, attaque et def plus 30% pour la catégorie guerrier de l'espace. 4 millions. En même temps, j'ai trop de boulot. Alors, le Bojaki transformé est plus intéressant. Enfin, en tout cas pour les combats longs. Parce qu'il, comme tu peux le voir, il stack l'attaque à l'infini. 30%. Le Bojaki non transformé, c'est un support. Il attaque à plus 100%. Et 30% de stats équipe plus 2. 3 attaques SP. Ah oui, alors là c'est magnifique, les amis. Là c'est la violence, là. Ah, je l'ai explosé, là. 3 stacks. Donc qui plus 2 attaque plus 30%. Tu gagnes encore 10% supplémentaire par rapport au nombre d'ennemis. Donc lorsqu'il y a 2 ennemis, tu gagnes encore 10%. Lorsqu'il y a 3 ennemis au moins, tu gagnes encore 10%. Donc jusqu'à 50% de boost de stats. Notamment pour les modes de jeu où ils sont plusieurs, comme les Battle Road en fait. Eh, les mangeurs de Litchi, c'est aussi carré. Alors, c'est dommage qu'il manquait un ki pour avoir les dégâts efficaces. C'est dommage. C'est très très dommage d'ailleurs. Faut s'activer pour le 100 doublon. Oui. Bah, le lien level 8, ça augmente les stats de manière assez drastique. Alors, le Bojaki une fois transformé, alors pour la transformation c'est très simple, hein, c'est 4ème tour, lorsqu'on affronte qu'un seul ennemi. Il augmente son attaque à l'infini, dégaillement, ski plus 3, attaque à plus 180%, lance une attaque supplémentaire qui a 30% de chance d'être une attaque SP. Attaque plus 30%, défense plus 15%, lorsque tu prends 3 sphères de ki ou plus. Plus encore 30% et 15% de def quand on arrive à prendre 6 sphères de ki. Donc il faut lui donner beaucoup de sphères de ki pour que ça frappe fort, tu vois. Donc 6 sphères de ki, on les a. Bim. Ah oui, alors par contre, les stats supplémentaires s'activent lorsqu'on attaque. Et Towa, elle donne... c'est ça, Magic Towa de la Vegas. Elle donne 30% et on a grande chance de donner 10% en plus. Deux fois. Enfin, attaque et def. Sans 75 000. Bon, après, à chaque fois, j'ai un support, mais... Alors, le Bojack de base, quand il part en SP, on gagne attaque et def plus 30% pendant un tour. Alors que le Bojack, il gagne pas de la défense en plus. Mais, il gagne... Oh là, j'ai pas vu la valeur d'attaque. Non, j'ai pas vu la valeur d'attaque de Bojack.
Ben, j'ai pas vu. C'est dommage. Ah. Ça, ça va être bien. Mon joueur de Litchi, il va se faire plaisir. 200 000. Par contre, l'agilité, il est un peu éclataxe. Hein. Et pourtant, je m'efforce à monter ces liens, mais... 5 500 000, merci beaucoup, Kido Yuto. C'est pas mal. Ça rivalise avec notre ami Mongeur de Litchi, lien maxé, attention, avec un support. Donc, bon, après, il y a 3 doublons, c'est vrai, ça joue aussi. Après, Litchiman, il fait des dégâts efficaces quand la jauge de ki remplit. Ah, lui, en fait, faut qu'il passe des TVR. Ce serait parfait, ça. Parce qu'il est un peu fragile. Aïe, 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 aïe. J'aurais pu mourir, là. Bon, lui, j'ai ramené... je transforme pas. Hein. C'est, je l'utilise comme support. Dans 30%. Oh, shit. Je crois que je suis mort. Ah, par contre, ça va activer mon lien boss. Pour la peine. Ah, ah. Ah 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 ah, ça c'était pas prévu. Boss, 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 boss est activé. Donc 199 000, donc 100 supports. Ah dommage, dommage, je peux pas prendre des ki comme je le veux. Bon, j'espère juste ne pas manger une spé là. Ce serait cool. Ce serait gentil, s'il vous plaît. Bah évidemment, hein. Faut lui donner pas mal de sphères de ki pour qu'il frappe fort. Donc 6 en fait, pour avoir 2 x 30% d'attaque et 2 x 15%. Ce qui est assez énorme en vrai. Pourquoi t'as pas ramené Bojack LR? Parce qu'en fait, j'ai ramené le Bojack normal. Ils ont bah, ils sont. Tous les liens fonctionnent en fait. Donc j'ai préféré. Et puis il a un petit côté support intégré. Donc, ah oui, Towa qui me booste. Ah ouais, là c'est fini là. Oh, c'est fini. Oh, là, mais là il n'y a pas de combat. Towa qui a claqué son passif, du coup. Là mon mojeur de Litchi il va être époustouflant. Il va être époustouflant. Dégâts efficaces, je vais l'exploser. En Dokkan mode, c'est fini. C'est fini, Towa. Non, bon, Jacques LR il fonctionne très très bien, je dis pas le contraire. Mais en termes de lien activé. Bojack fonctionne avec Bojack. Ils ont, bah, comme vous avez pu voir, tous les liens activés. Avec le LR, il y a deux liens en moins. Y a, donc, les liens qui fonctionnent, c'est Boss, Récupération, Ambition, Famille Hera et Galactique. Hop, ça dégage. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'était pas un showcase de Thalès, mais... Là, c'est juste, on a le support de Towa qui s'est activé. Dégâts efficaces, double SP, allez, on n'en parle plus. Hein. On n'en parle plus. Bon, en fait, j'aurais préféré que ça s'active ici, mais. Mais c'est pas moi qui ai décidé, les amis. C'est point moins. Donc là, j'en ai 8. Très bien. Tu sais quoi? On va lui donner les 8. Bim. Ensuite, toi, tu vas prendre. Ça. Alors, on a combien de défense? 89 000, ouais. Lui, en fait, j'ai... il est très fragile, en vrai. Très fragile, le bougon. Après, Thalès, il est maxé. Hein. Ses liens sont maxés. Ça aussi, ça joue. Hein. Donc là, on a tout. 6 millions! 6 millions! Potentiellement un double SP. Aïe, 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 il m'a entendu. 6 300 000. Donc là, je suis à 12 millions, les gars. Ah, c'est fort, Bojack, en vrai. Si t'arrives à lui donner beaucoup de sœurs de ki. 3 SP. Oh non, le cochon. Le cochon verdâtre. Le alouf verdâtre. Ah, il est gourmand. Triple stack. Donc j'ai fait 18 millions. Après, c'est vrai que j'ai deux supports. Il faut, faut aussi dire que j'ai deux supports dans cette rotation. J'ai 30% de Bojack et 30% de couleur. Ça joue.
ça joue fortement. Eh, le double Bojack, c'est pas mal, hein. Parce qu'en fait, moi, j'ai déjà testé Bojack. C'est de Bojack de 4 fesses, sauf que je l'avais pas. Du coup, j'ai utilisé un ami. Là, en fait, le fait de l'avoir, bah, je peux jouer les deux Thalès côte à côte. Et là, ça change tout, les amis. Ça change tout. En tout cas, ça change beaucoup de choses. Bah, parce que du coup, on a un très très bon support. On a un très bon Link Buddy. Donc, comme vous avez pu voir, tous les liens sont activés. Donc, 7 liens contre 5 liens avec le LR. Qu'est-ce qu'il prend en plus? Ah, c'est Guerrier... Attends. Guerrier Galactique. Ah, c'est Combat Acharné, c'est 15% de boost d'attaque. Et... Ah, c'est l'âge qui proc en plus. Bon, l'âge aux F. C'est 15% de boost d'attaque en plus. Eh, on crache pas sur 15%, les gars. On crache pas 15. Jamais. Le lien boss, il n'est même pas activé. Ah oui, c'est vrai, le lien boss. Oh, ah, j'ai envie de le maxier. Ah, bon, Jackie, ah, je pense que tu le mérites. Hein. Parce que le lien... Attends, une fois maxier les liens... Parce que la famille Hera, ça donne combien, une fois? Attends, pas la famille Hera. Guerre Galactique, ça passe... Ah, attaque plus 20%. Ah, il gagne de la défense. Boss est très fort. Soif de conquête, ça gagne encore de la défense. Oh, résurrection aussi. Ah ouais, en fait, il y a un gros intérêt à... Il y a un gros intérêt à le maxer, en fait. Et c'est puissant à mort, ce Bojack. Je pensais pas qu'il était aussi intéressant. Je pensais que c'était... Ouais, vite fait. Est-ce que c'est aussi fort que Videl? Videl Gogeta. Ah, je sais pas. Videl Gogeta, ça esquive, dégâts efficaces. Ça arrache, hein. Ça arrache la gueule, hein. Ah, je sais pas. Après, la catégorie, elle est vachement forte parce que je peux jouer Thalès in the Gang dans l'autre rotation. J'ai des très bons supports. Bah, même ces couleurs, je trouve pas ouf comme support. Je le remplacerai à terme par un autre support, je pense. Mais bon, Towa, 6 800 000. Là, je suis un LR. Là, c'est Bojack LR, les amis. Ah, mais c'est Bojack LR, les amis. 7 millions. On l'arrête plus. Parce qu'en plus, je crois que le multiplicateur... Oh là là, je l'explose. Ah ouais, en même temps, j'ai double support. Mais en même temps, la team nous permet d'avoir plusieurs supports. Ouais, il fait pas de dégâts. Ah. Ça va piquer. Ouf. Bon, je pense qu'on va la virer, elle. Pas une chips, hein. Ah ouais, la chips. Aïe, 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 aïe. Il m'a démonté, là. 7, non. Il m'oblige à manger un litchi. Fallait pas. Tu m'obliges à manger un litchi. D'ailleurs, faudrait que j'en rachète chez Tank Frère. Pour mes cocktails. J'ai envie de manger des litchis, je sais pas. Je pense que c'est la période où j'ai envie de manger des litchis. Bon, il y a trop de support. Bon, on va faire tac, tac, tac. Ah, attends, est-ce qu'il rentre ou pas, transformation boostée? Non, je crois pas qu'il rentre dedans. Couleur. Thalès. Ouais, 5 800 000. Ouais, 900 000. Dégâts efficaces. En fait, Thalès et Videl, bah, en fait, ce qui est fort, c'est qu'ils ont les dégâts efficaces. Et ça joue beaucoup, tu vois. Bon, Jacques, il a pas dégâts efficaces. C'est dommage. Videl stack plus vite aussi. Et double SP. Après, bon, c'est juste que... Videl est plus récente aussi, ça joue aussi. Par contre, la team de Bojack, elle est quand même... Je veux dire, il y a quand même de très très bonnes unités. Il y a de quoi faire, quoi. Il y a de quoi faire. Bon, Jacques, c'est très carré. Hop là.
Là, par exemple, je pense que je survis au calme. À la limite, seul Bojack, ce Bojack-là pourrait prendre un peu cher. Oui, il pourrait prendre cher. Mais bon, là il prend 30%, là. Ça devrait aller. Ça devrait aller, 30% en plus. En termes de stats. Voilà, tu vois, la différence. L'autre, il craint rien. Ah, l'auto-attaque, l'attaque spé. Voilà, l'auto-attaque à 3 millions, les gars. Enfin, 4 millions. L'auto-attaque supplémentaire à 4 millions. Le mec, il a mis une tarte à Goku. Et il a vu flou. Il a fait, oh, ouais, ça fait mal. C'est quoi cette auto-attaque, là? Quasiment 4 millions de l'auto-attaque. Eh oui. Ah, c'est dommage, il manque à chaque fois un sphère de ki. En fait, il faut que la jauge soit remplie pour pouvoir avoir les dégâts efficaces. Et double SP. Ah non, j'ai 50% de chance de double SP. Au revoir. C'est jamais. En cas où si il esquive tout, que Towa, elle va se faire défroquer là. Non, mais tout à l'heure, il a fait triple SP, ça nous fait quasiment 19 millions. Aïe! Celle-là, tu l'as pas vu venir, bim! Hop, dégage. Dégage efficace. Bim! Ah non, il reste un trait. On cite. Bon, le Thalès est copus. Voilà. Il a fait le taf. Bon, bah, Bojack, hein, ça reste une bonne catégorie. Enfin, en fait, il y a quand même de très très bonnes unités dans cette team. Donc, on peut s'amuser à faire des teams rigolotes. Bojack, c'est très solide. Enfin, en fait, ce qui est. Enfin, je pense qu'il faut prendre en compte maintenant aussi, c'est le Link Buddy. Si t'as un bon Link Buddy, j'avoue que ça peut. Ça donne de la valeur à la carte en fait. Bah, Bojack, là, son Link Buddy, c'est lui-même. Donc, c'est parfait en fait. Après t'as le LR intelligence aussi qui en fait on peut faire deux rotations en gardant un Bojack dans chaque rotation, mais je pense que c'est plus intéressant de garder les deux Bojack d'Okanfest et les mettre côte à côte. Et puis bon voilà, en fait, évidemment je le compare avec ce qui est sorti récemment, Videl, l'air des 6 ans. Ça reste une bonne unité un peu à la couleur, plus tanky que couleur, là clairement beaucoup plus tanky. Par contre, couleur, ça reste un assassin pour tout ce qui est famille de Goku et Métis. Bojack, son attaque supplémentaire qui a une chance moyenne d'être une attaque SP, voilà, c'est 30%. Et il stack que 30% de boost d'attaque. Voilà, 30%. Voilà, c'est 30%. Donc voilà, ça reste une très très bonne unité. Bah, après, il a quand même des très bonnes stats. Et puis, il faut lui donner pas mal de sphères de ki pour que... il puisse vraiment frapper fort et être beaucoup plus tanky, parce que 15% deux fois en prenant 6 sphères de ki, ça équivaut au final, d'après le wiki, à une dev de 264% et un boost total de 348%, ce qui est vraiment énorme. Voilà, c'est peut-être plus intéressant que couleur, parce que couleur, il est très très bon dans certaines situations, mais ça reste une unité très fragile. Alors que Bojack, il tape peut-être un peu moins fort face à des Saiyans purs ou Métis, mais d'un autre côté, il est beaucoup plus solide. Donc voilà, sur ce, passez une bonne journée. Le petit pouce bleu de soutien, le petit abonnement sur YouTube, et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, comme d'habitude. Le lien se trouve dans la description.